est crucial. Que tous les frères qui combattent s'accrochent, ne lâchent pas prise. La révolution approche, la rébellion s'organise. À l'échelle du système, nous ne sommes que des virus. Comportons-nous comme tels pour propager notre humus. À coup d'attaque furtive, nous passons à l'offensive. Pour réveiller les consciences et que le changement s'active. La démocratie est le masque de bien des dictatures. Rester dans l'inertie, c'est cautionner l'imposture. Pour voir les choses changer, il va falloir se bouger. À accepter de se trouver en situation de danger. Les dignitaires de l'Empire ne voudront pas qu'on inspire. Ils feront de leur mieux pour tous nous anéantir. Mais si au cours du combat, nous ne sommes plus qu'une poignée, nous resterons déterminés et ce jusqu'au dernier. Et réclamons avec insistance le minimum de décence que nous refusent depuis toujours toutes les gouvernances. Qui n'ont de cesse que ceux qui avaient la panse dans l'opulence. Alors que les nôtres sont diminués par bien des carences. Qui nous relèguent continuellement à la dernière place. Condamnés à se dépêtrer perpétuellement dans la crasse. Dernier maillon de la chaîne, le bouc émissaire d'un système inégalitaire et de surcroît sanguinaire. Cette situation merdique est inacceptable. Nous la contestons et pour le système nous sommes coupables. Les prix à payer sont la souffrance et les larmes. Mais nous nous sommes effrayés car le courage est une arme. Grâce à laquelle nous défions la tour de Babel. À laquelle nous promettons au minimum quelques séquelles. Car nous savons que nous roulons pour le juste. Et assumons le fait qu'un jour une balle nous perce le buste. Nous relayons les actions de nos prédécesseurs qui ont dénoncé et combattu nos fronts oppresseurs. Le statut d'être humain plus que jamais se mérite. Nous ne sommes pas des chiens, voilà pourquoi on milite.